Salut à tous. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve à Walibi Rhône-Alpes pour. Alors, il y a Timber qui passe derrière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde parce que c'est le jour de la première nocturne. Il y a deux nocturnes prévues cet été. Donc, il y aura un feu d'artifice, un jazz band ce soir. Voilà. Ouais, et donc, de nuit aussi. On vous fera une autre vidéo dédiée à cette nocturne. Mais là, pour l'instant, voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut parce qu'il y a énormément de monde. Beaucoup. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de faire Timber et puis au pire, on sera obligé d'attendre. On verra. On verra bien. Comme il est chaud. On vient de faire Mystique à l'instant, puisqu'il y a beaucoup de monde, il y a les deux trains, ça tourne beaucoup. Je crois qu'il n'a jamais été aussi puissant là. Je pense qu'on atteignait presque les 100 km/h. Ouais, hein. Il a beaucoup chauffé, puis en plus il y a un gros pic de chaleur, donc du coup ouais, en plus, il ça a doit encore aider. Plus chauffé. Bah là, je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est l'entrée d'Aqualibi. Et du coup, bah, on va aller voir un petit peu l'avancée des travaux. Où en sont les travaux. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en ce moment il y a la démolition d'Aqualibi pour ensuite construire le nouveau Land Exotic World. Je sais pas s'ils commenceront cette saison des travaux, mais la démolition sera peut-être assez longue. En tout cas, là, ils ont commencé la démolition. Mais bon, peut-être qu'ils font que la démolition cette saison, mais en tout cas, on essaiera de vous partager l'avancée des travaux. Si vous voulez des infos en plus, vous pouvez aller sur notre Discord. On a un salon exprès sur Walibi et on partage beaucoup de choses à ce sujet-là. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il n'y a plus un seul toboggan. C'est parti, pas de chinelle. On a fait la coccinelle, on a fait une petite pause parce que là on vient vraiment pas forcément pour faire plein d'attractions. Faut savoir qu'on a le pass pour ceux qui sont pas au courant et du coup quand on vient on se prend pas la tête, voilà, on va pas faire un marathon de roller coaster, tout ça. Du coup là on s'est posé et. Je peux comprendre que des gens soient quand même un peu emmerdés par le fait qu'on puisse pas faire grand chose si t'as payé ta place et que tu sais que tu pourras pas revenir ou quoi. Il y a une mauvaise gestion du flux comme d'habitude. Quand même ça s'améliore d'année en année. C'est pas excellent. Mais il y a beaucoup d'opérateurs par attraction, alors qu'avant il y en avait quand même moins. On va aller faire Tam Tam Adventure. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une promenade en bateau. C'est pas avec hyper. C'est un peu nul, mais bon, c'est cool quand on a rien à faire. We'll be right back.
Bon, on va vers Duck and Roll maintenant. On vient de faire Duck and Roll, qui est très sympa. Franchement, c'est une attraction d'enfants, familiale, mais moi je trouve ça très cool, ça repose. Donc là, on va vers le monorail. Donc c'est le monorail qui passe au-dessus de Explorer Adventure. Donc c'est le thème des chercheurs d'or, encore une fois. Et comme il n'y a personne. Voilà, c'est à cet endroit où il n'y a personne. C'est tout pour cette vidéo, il est actuellement quelque chose comme 18 ou 19 heures. Vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo et nous on vous dit à très bientôt dans notre Jumble. À bientôt. Salut.